Et voilà, juste ici il y a le club d'escrime. Donc ça va être le premier club d'escrime où je vais aux États-Unis. Je suis assez curieux de voir ce que ça a donné. Yo Pierre, you wanna come out here? Yo, bonjour à tous. Hey Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques où je le cœur tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui on est au centre olympique de Chula Vista aux États-Unis, Californie, et on va faire une petite visite. On y va. Ok, donc là, on est arrivé un peu plus profond dans le centre olympique. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, juste ici, il y a genre une orangerie. Je sais pas si vous voyez, mais genre ici, il y a plein d'oranges. Et c'est juste super impressionnant. En fait, le parc est super grand. Et juste la Californie, de façon plus générale, c'est impressionnant parce qu'en fait, il y a énormément de zones sauvages, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment impressionnant, genre comment ça se fixe et comment ça s'intègre. Donc, intéressant. Il y a des gens qui étaient en train de s'entraîner. Ça me fait penser que je devrais aussi m'entraîner. Et ces derniers jours, j'étais vachement fatigué, donc ça n'a pas été trop une partie de la discussion. Mais intéressant. Ok, on est à Cheesecake Factory, donc on est en train de manger un petit peu, on est en train de découvrir la culture américaine. En gros, je suis en train de m'empiffrer. Nous, on a du frit, un gros burger. Et du coup, c'est juste cool. Bon repas. Tout ça, on va s'entraîner normalement. Dans un club d'escrime, je sais pas encore lequel, mais on va faire ça. Non, on est supposé prendre un Uber pour aller à l'entraînement, mais manifestement il est pas là, donc où est-il? Il est juste là, c'est notre Uber. Yo! Yo! Quel est le ticket? Quel est le ticket? Ok. Et voilà, juste ici, il y a le club d'escrime. Donc ça va être le premier club d'escrime où je vais aux États-Unis. Je suis assez curieux de voir ce que ça a donné. Est-ce que ça va être une bonne expérience ou une mauvaise expérience? On va voir ça tout de suite. Bref, en tout cas, on est arrivé au club d'escrime de San Diego. Team Touché, Fencing Club. En tout cas, voilà, c'est super cool. Alors, ça, elle est super cool. Puis, on dirait que je vais pouvoir avoir un bon entraînement. Je suis assez content. Si ça fait 3-4 jours que j'ai pas eu des pieds dans ma main, c'est pas formidable, mais pouvoir faire mon premier entraînement en Amérique du Nord, je trouve ça assez stylé. Back leg and a little bit of height. Oh! Ow!
vient de perdre 3, 4, 5 assauts. Vraiment sympa, ça change un petit peu, c'est vraiment un truc qui est super différent de ce qu'on fait en France. Il joue du Kendrick Lamar dans l'enceinte, enfin dans l'enceinte, dans la salle, impressionnant. Enfin bref, bonne ambiance, j'aime bien. Vachement fatigué, vachement tendu au niveau de mes muscles, etc. Les pistes sont un peu glissantes, du coup j'ai du mal à vraiment travailler sur les appuis. C'est un petit peu le truc que je gère le mieux. Du coup, si tu m'enlèves un peu mes appuis, je suis obligé de travailler vraiment sur autre chose. Je me rends compte que la coordination bras-jambes, elle est vraiment pas là. Et ça me pénalise dans tous mes matchs. Donc, bon, c'est intéressant, on de rien. Et là, après, c'est d'être blessé. Bye bye, guys. Take care. Bye. Hello, sir. That's a cool camera you got. Oh, thank you. Bon, et voici, ce sera tout pour aujourd'hui. Je ne dois pas parler trop fort parce qu'il y a tout le monde qui dort là. Mais ouais, ça a été une bonne journée. J'ai enfin pu m'entraîner aux États-Unis. C'était cool. En tout cas, on va continuer comme ça chaque jour sur la route des Jeux Olympiques. Il faut continuer à s'entraîner. Plein de bonnes choses qui se passent. C'est cool, je suis dans une bonne dynamique. Et il faut que je commence à regarder beaucoup plus le positif des choses plutôt que ce que je fais mal au niveau de l'entraînement pour continuer à avancer. On se retrouve demain. Continue à travailler, tu peux le faire. Le prochain épisode de l'Olympic Vlog. Oh, it looks so bad. It looks so bad.